Description lavoir de la fontaine aux Bruyères en 1831, jaillissait ici une source dont l'eau s'écoulait à travers les prés jusqu'au Sausseron, 175 mètres plus bas. Son débit a permis la construction d'un lavoir dans le courant du 19e siècle. Ou au début du 20e siècle. Ces deux bassins de taille inégale sont couverts en partie par un toit en appentis, maintenu en son milieu par un poteau de bois oblique. Il se situe centre de la fontaine aux Bruyères. Description lavoir du pont de l'Arche. Ce petit lavoir couvert est établi sur le Sausseron et est délimité de deux côtés par la muraille de clôture d'une propriété. C'est sur cette muraille que prend appui la charpente du toit, qui n'a donc besoin que d'un unique pilier en bois. Description ancienne gare, rue Verte, ce fut la principale station intermédiaire sur la ligne de Valmondois à Marine, à voie métrique, et sert de maison d'habitation depuis la fermeture de la ligne. Ce petit bâtiment servit de prison à une époque.